Ça ira très bien. Donc on vous retrouve déjà pour un débat
pour discuter, on prépare bien vos questions pendant le film, hein, c'est compliqué. Ah non, j'espère pas, regardez le film. Et puis on se retrouve après pour un débat et ensuite pour la dédicace. Absolument. Merci beaucoup pour votre présence, bon film et à tout à l'heure. Merci, merci. C'est brutal là. Bon, d'habitude, je fais une grande annonce. On t'entend pas, hein. Ah bon, 1, 2, personne ne m'entend. Non, ton micro ne marche pas. Ah, ton micro. Mon micro ne marche pas. Je vais m'as censuré. Ah, non, c'est vrai. Bon, d'habitude, je fais une grande annonce. Merci d'accueillir le réalisateur et l'auteur. Bon, vous pouvez les réapplaudir quand même. C'est le distributeur qui nous a dit allez. Ouais, c'est ça, il faut s'installer. Voilà. Bon, alors on va vous laisser un peu redescendre de vos émotions. Mais n'hésitez pas pendant la séance de lever le bras pour poser des questions. Je pense qu'on est là pour un échange et un débat. Je vais d'abord vous poser Olivier la première question, qui est c'est votre première adaptation littéraire. Est-ce que vous n'avez pas eu la double pression, d'une part, d'adapter un livre de l'auteur, mais en plus, comme c'est une partie, un pan de son histoire, est-ce qu'il n'y a pas eu une pression supplémentaire? Comme c'était la première fois que j'adaptais, non. En fait, peut-être que je ne me rendais pas compte de la pression. Mais une fois que j'avais écrit, enfin, comment dire, c'est un producteur un jour qui m'a appelé et qui m'a demandé si je voulais lire ce livre parce que je l'avais pas lu. Souvent, les éditeurs envoient les livres aux producteurs avant que les livres sortent. Donc moi, en fait, quand je l'avais lu, c'était avant la sortie et je l'avais aimé, j'avais envie de le faire avant la sortie, avant que ça devienne bon best-seller. Donc je n'avais pas cette pression quand je l'avais rencontré. En fait, j'étais assez voilà. Donc je lui ai raconté pourquoi, ce que j'aimais dans son roman, etc. Pour ça, qui a lu le roman ici, juste pour que... Ah, pas mal. Hein? Et en fait, moi, dans le roman, ce que j'adorais notamment, c'est la fin que je trouvais très, très, très émouvante. Ce rapport filial que j'ai travaillé dans le film, que j'ai encore plus creusé, puisque le roman, une grande partie du roman, se passe en 1984, plus de la moitié du livre. Hein? Et puis après, ce que je trouvais très original, c'était la rencontre entre l'écrivain et ce fils, et ce rapport filial. Je trouvais cette réparation qui s'effectue entre les deux. En tout cas, moi, c'est ça que j'avais vraiment envie de travailler pour le film. Et je trouvais que mon roman était plus tourné vers les souvenirs, vers le passé. Moi, j'avais envie d'en faire un film plus au présent. Et donc, c'est un peu... c'est ça un peu que j'ai... On se voyait, à l'époque. On se voyait, moi, ouais, c'est voyait, absolument. Est-ce que, du coup, avec vous, ce livre, vous avez écrit beaucoup de romans et de récits complètement fictifs. Arrête avec tes mensonges. Est-ce que c'est une nouvelle écriture que vous avez trouvée en parlant de vous? Oui, forcément, parce que moi j'avais effectivement toujours écrit des romans jusque-là et j'adorais écrire des romans parce que je trouve que c'est très agréable de faire appel à son imaginaire. Je suis venu à l'écriture des livres précisément parce que j'avais envie de vivre d'autres vies que la mienne, d'inventer des personnages, des situations et que grâce à l'écriture, je me suis retrouvé être une femme en robe rouge dans un tableau de Hopper ou un gigolo à la gare de Florence, ce que je ne suis pas, enfin pas tous les jours. Et donc voilà, et ça j'ai beaucoup aimé ça. Et franchement, pendant très très longtemps, je ne pensais pas écrire un texte d'essence autobiographique. Je le disais d'ailleurs, je trouvais que voilà, je croyais au pouvoir de la fiction et de l'imagination. Je crois toujours, je trouve que c'est très important qu'il y ait des romans. Mais voilà, il se trouve qu'à un moment dans ma vie, se passe une chose qui est que j'apprends la mort de Thomas. Et cette mort me plonge évidemment dans le chagrin, mais me plonge aussi dans une forme de colère. C'est-à-dire, je me dis, ça ne peut pas être une vie vécue pour rien. Ça ne peut pas être une vie qui passe sous les radars, ça ne peut pas être une vie qui reste inaperçue. Et je voulais qu'il soit là, qu'il existe quelque part, et le seul moyen que j'avais fait de le faire exister, c'était d'écrire. Et d'écrire que nous avions été heureux, parce qu'il s'est passé ça. Ça nous est arrivé un jour, on a été heureux et amoureux. Voilà. Et donc le livre, je le commence une heure après avoir quitté le fils. Donc il y a un élan qui se crée, donc il y a... Je ne réfléchis pas à ça, je ne suis pas en train de me dire, tiens, je suis en train de passer du roman à l'autofiction. Ça ne se passe pas comme ça se fait, parce que ça doit se faire. Et j'écris le livre dans une sorte d'urgence,
mais assez décontenancé néanmoins, parce que précisément j'avais jamais écrit d'autofiction jusque-là, au point que, alors que j'avais écrit 50 pages, j'ai fait ce que je n'avais jamais fait jusque-là, c'est-à-dire j'ai donné ces 50 pages à mon éditrice, parce que moi en général j'écris le livre en entier, puis je le donne quand il est fini. Et là je lui ai donné en disant, parce que c'était tellement déroutant pour moi d'écrire cela, je lui ai dit est-ce que j'arrête ou je continue? Et si elle m'avait dit arrête, j'aurais arrêté. Hein. Et j'ai continué, parce qu'elle m'a dit continuer. Et voilà, donc ce livre a existé. Et après, oui, on n'imagine pas ce qui va arriver derrière. C'est-à-dire que ce qui est surprenant, c'est qu'une fois que le livre a été terminé, je me suis dit, j'ai quand même écrit une histoire extraordinairement intime. C'est-à-dire, bon, parce que 1984, deux garçons, barbes yeux, on se dit qu'a priori, ce n'est pas le dispositif pour un truc, pour un best-seller. On ne voit pas, évidemment, sauf barbes yeux, parce que tout le monde connaît barbes yeux. Tu ne formules pas comme ça d'habitude? Non, c'est vrai, mais je ne vais pas le formuler. Oui, je vais faire attention à ce que je dis. D'habitude, il y a une histoire entre deux garçons qui se rencontrent, qui s'appellent. C'est ça, voilà. Et c'est ce que je dis. Mais là, je ne sais pas. Il y a je sais pas. Et donc, l'idée, c'est que je me dis, ça va intéresser qui, vraiment? Et puis finalement, le livre connaît le succès que. Voilà. Mais qui est la démonstration qu'au fond, plus on raconte une histoire intime, plus on a peut-être une chance de toucher à l'universel. Et en même temps, ce qui me plaît, c'est qu'Olivier arrive avant que le livre, effectivement, ne soit un succès. Donc il est dans une très grande innocence par rapport à ça, ce qui est bien. Enfin, je veux dire, c'est, parce que souvent, les gens arrivent, une fois que le succès s'est installé, ils vous disent bah, je veux le faire. Vous avez plein de gens qui vous demandent, et en fait, il faut se méfier de ces demandes-là. Et lui, il n'avait pas ça, lui, il ne savait pas du tout. Et moi encore moins quand je l'ai vu. Et donc voilà, donc ça se produit, et je l'écoute me raconter ce qu'il touche dans le livre, et c'est toujours ça, c'est quand on confie ses droits à quelqu'un, c'est toujours l'histoire d'une rencontre. Et je me dis, c'est bien parce qu'il le prend par un bout par lequel moi je ne l'ai pas pris, puisque effectivement le livre est plus axé sur la partie de la jeunesse. Et je voyais ce qu'il voulait raconter, je voyais cette histoire du fils qui essaie de comprendre de manière têtue son père, et de trouver des indices sur son père, et de trouver la vérité de son père, et qui finalement se sert de l'écrivain pour arriver à ça. Je trouvais que c'était extrêmement malin comme fil narratif, et je voyais que ça pouvait faire quelque chose d'émouvant, et surtout qu'il soit à la fois fidèle à l'esprit du livre, et en même temps qu'il soit distancié de la lettre du livre. Et moi je crois que les meilleures adaptations, c'est ça, c'est celles qui trahissent au bon sens du terme, c'est celles qui s'éloignent, celles qui proposent autre chose que ce que le livre. Le livre et le film sont deux objets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. L'écriture cinématographique n'est pas l'écriture romanesque. Et je crois à peu près savoir faire des livres, mais je ne sais pas faire des films. Donc je voyais ce qu'il avait envie de faire et je me suis dit, allez, on y va. Voilà. Justement, sur cette fidélité au livre, mais avec votre patte créative, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer des choses? Effectivement, la première fois qu'on s'est lu, Philippe m'avait, pour le coup, il m'avait mis à l'aise, il m'avait mis les plus grandes trahisons sur les meilleures adaptations, trahis-moi, hein, je me souviens de ça. Donc c'est vrai qu'il m'a laissé le champ libre. Je pense que j'avais la chance que j'ai écrit des scénarios, notamment avec et pour José Daillon. Donc tu savais que les artifices du cinéma, ou en tout cas le langage cinéma, n'avaient rien à voir avec le langage romanesque. Donc il n'était pas accroché à son roman comme ça. Effectivement, je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais peut-être que tu l'as dit après, oui, j'avais une vision, en tout cas une envie. C'est ça qui t'a fait envie. Et en fait, moi j'ai cru inventer plein de trucs dans le scénar, hein, j'étais très fier et tout, et j'arrêtais pas de relire le roman, et une fois que j'ai eu tout fini, il y a eu plein de versions du scénar, je me suis rendu compte que tout était dans le roman. Mais l'écriture littéraire, des fois, en deux mots, en une phrase, il va parler d'une chose, ça suffit, et après il passe à autre chose. Nous, quand on est obligé de réduire, on va dire, le nombre de sujets, et c'est le sujet qu'on va devoir retravailler à travers plusieurs scènes, etc. Il y avait des trucs, vraiment, j'étais très fier de moi, hein, je croyais avoir inventé, puis en relisant avec les petits, notamment les scènes de sexe, on relisait le roman avant, et je me disais, ah ben non, en fait, c'était écrit, etc. Il y avait plein de scènes de sexe en livre. Non, oui. Je disais, regarde, c'est beaucoup plus hard dans le livre. Hein. Non. Et en même temps, on fallait les traiter. Oui. Enfin, je sais plus quelle est ta question, en fait. Mais ah non, c'est ta réponse, c'est comme Georges Marchais. Je ne sais pas ce qu'elle va dire. Mais là où le film me semble, où c'est un vrai menteur, c'est que je me suis rendu compte en relisant. Parce que dans le roman, l'écrivain n'a aucun problème. Non, hein, ça, il est en couple, il va très bien, etc. Et ça, par contre, pour en faire un film, il fallait un chemin du personnage. Donc moi, je me suis mis à enquêter sur Philippe Besson. On vous dira pourquoi, après j'ai changé de nom. Et donc j'ai lu tous ses livres, j'ai vu toutes tes émissions, j'ai appelé ton éditrice, hein, qui rigolait, qui était en train de faire la psychanalyse de Philippe Besson. Et j'avais besoin de donner une problématique au personnage, mais qui ne soit pas fausse.
et j'ai l'impression que j'ai fait peut-être le personnage qui était 10 ans avant, tu vois, avant Arrête avec tes mensonges. Enfin voilà, ça c'est. Et c'est aussi pour ça qu'on a changé le nom, c'est parce que j'ai pris des libertés, c'est mon interprétation de ce personnage. Et j'avais remarqué que dans ces romans, 2 ou 3 fois, il y avait le nom de Stéphane Delcourt qui revenait. Et je me suis rendu compte que c'est le nom qu'il utilisait quand il parlait vraiment directement de lui. Donc c'est pour ça que j'ai mis pour les lecteurs de Philippe que j'ai utilisé ce nom. Donc j'ai fait comme toi. Quand j'ai parlé vraiment de toi, j'ai utilisé le nom de Stéphane Delcourt. Mais quand je dis, quand il dit c'est la première fois, non, que je faisais de l'autofiction, mais en vrai, cette histoire, je me suis rendu compte qu'il l'avait racontée dans ses livres plusieurs fois. Et par exemple, quand il parle de La trahison de Thomas Spencer, qui est un vrai livre de Philippe Besson, j'étais sur le cul en me rendant compte que la scène de la photo, c'est quand il lit dans le. Ben, ça, c'est dans le roman. En fait, dans ce livre, tu racontes déjà cette histoire de naissance, sauf que c'est soi-disant une histoire d'amitié. On est aux États-Unis dans les années 60. Oui, voilà. Mais en fait, il avait déjà raconté cette histoire. Voilà. Donc, je me suis rendu compte qu'il n'arrêtait pas de parler de lui. Et peut-être qu'il y a des mensonges dans Arrête avec tes mensonges dans le roman. Mais enfin, voilà. Et c'est vrai que tu as toujours. De toute façon, tu t'en es vu. Alors, on a un micro qui va circuler. Donc, si vous avez une question, ou pas forcément, une observation, quelque chose à me dire, n'hésitez pas. Hein. On est là aussi pour vous écouter. Et donc, c'est tout en haut que ça commence. Je fais pas de bol. C'est vraiment tout en haut. On ne peut pas faire plus haut. C'est pas faire. Ah oui, on ne peut pas faire plus haut. Non. Bonsoir. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec les applications, il y a encore de la place pour les vraies histoires d'amour? Oui, enfin, moi j'ai envie de croire que oui. Enfin, évidemment, ce qui faisait le sel de ces histoires-là dans les années 80, c'était qu'on ne s'était pas trouvé par des applications, mais on avait vraiment fait des vraies rencontres. Hein. Il y avait des regards qui s'échangeaient ou qui ne s'échangeaient pas. Et puis c'était compliqué parce qu'on ne savait pas quand on allait retrouver l'autre, on ne pouvait pas le géolocaliser. Il fallait utiliser les téléphones fixes et les gens n'étaient pas chez eux. Donc on mettait du temps pour avoir un autre rendez-vous, etc. Donc c'est vrai que ces histoires-là se déployaient sans doute dans une plus grande lenteur et une plus grande difficulté. En même temps, elles se déployaient. Il y avait aussi la vraie peut-être différence, c'est qu'à cette époque-là, les histoires comme la mienne se vivaient dans la clandestinité, puisqu'il y avait, c'est un des sujets du livre évidemment, et du film, c'est l'idée de se cacher, de ne pas apparaître, le déni, la honte, la culpabilité, etc. Bon. Je ne sais pas si ça existe encore, je crois hélas que ça existe encore. Que donc même avec des applis, on se cache de temps en temps, parce que parfois c'est difficile d'exister au grand jour. Non, c'est d'autres formes d'amour, j'imagine. C'est d'autres formes de rencontres. Oui, voilà. Mais à l'arrivée... À l'arrivée, ça peut faire une histoire d'amour. Et d'ailleurs, est-ce que vous pensez que si on était aujourd'hui, l'issue de votre histoire avec Thomas serait différente? Je vous renvoie à un jeune homme qui s'appelle Lucas, qui a 13 ans et qui s'est suicidé la semaine dernière. Et puis Thomas, dans le roman et dans le film, finalement, il se suicide pas en 1984, hein, c'était il n'y a pas longtemps. Moi, je pensais, en fait, j'ai grandi à Nantes et puis chez Paris, mais effectivement, je me disais, ça me faisait penser aux Roseaux Sauvages, à la partie 84, enfin, des films, etc. Et je me disais, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est toujours d'actualité, etc. Et au moment où on a fait le casting des jeunes, il y a plein de jeunes de 20 ans qui m'ont contacté par Facebook, par Instagram, vous savez, etc. Donc, qui n'étaient absolument pas comédiens et qui avaient lu le livre et qui voulaient absolument passer le casting parce que c'était aussi leur histoire. Donc, je me suis rendu compte que c'était toujours d'actualité. Alors, on dit, ok, ouais, c'est vrai, c'est plus facile peut-être dans la façon de faire son coming out, mais quand même, moi, j'ai vu que ça restait toujours difficile. Et puis, faire son coming out pour les jeunes homosexuels, à 20 ans, d'abord, il y en a plein qui ne savent pas encore qu'ils sont homosexuels à 20 ans, ça va peut-être venir plus tard, enfin voilà, etc. Et ça reste une épreuve, même si les parents accueillent bien la nouvelle, ça reste quelque chose, une réflexion à mener sur soi-même et à faire que certains hétéros, entre guillemets, n'auraient pas à faire. Donc, de toute façon, ça reste une épreuve, même si ça se termine bien. Il y avait une question, Bernard. Ah oui. Alors. C'est où on va descendre après. C'est Thierry qui porte le micro. Merci.
Bonsoir. D'abord, bravo pour le choix des acteurs, enfin, de l'actrice et des acteurs aussi, parce que c'était vraiment un élément très important du film. Moi, j'avais une question, savoir exactement, là, pour vous encore, nous expliquer peut-être la différence entre le roman et le scénario, c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe du roman au scénario pour raconter une histoire de cinématographique. Et puis, la deuxième question, c'est... quand vous écrivez le scénario, est-ce que vous pensez à ceux qui ont déjà lu le roman et qui, du coup, voilà, comment est-ce qu'on va, comment on va pas trahir ou, ben, je vais vous donner deux exemples précis. Par exemple, le roman, la première partie, 84, se passe à Barbezieux. Bon, je l'ai mis à Cognac pour plein de raisons, mais c'est pas vraiment ça à côté. Mais après, quand tu rencontres le fils, c'est à Bordeaux et ensuite à Bordeaux. Et vous parlez dans un café. Ou dans un café, puis à Varlin à la gare. Oui, vous allez à la gare. Et après, Paris, disons après, à Paris, au Café Beaubourg. Donc ça, c'est pas très cinématographique. J'allais pas faire un. En tout cas, j'avais pas envie de placer mon film dans deux cafés. Donc il a fallu que je trouve un contexte même social. Et il se trouve que dans le roman, je vous parlais des petites choses qui sont dans le roman, il y a juste comme ça une ligne où tu dis que les parents de Thomas sont viticulteurs dans le Cognac. Et moi, j'avais fait un documentaire sur Annecy quelques années avant. Donc effectivement, je voyais tout à fait bien. Et donc c'est pour ça que j'ai placé toute l'action du film à Cognac, dans un milieu que je connaissais un peu. Et puis c'était cohérent par rapport à... Et un autre exemple, il y a quelque chose qui est très important dans le roman, c'est le rapport Paris-Provence, etc. Mais ce n'est pas incarné par un personnage, aussi par ton personnage, mais c'est vraiment une problématique qui court pendant tout le roman. Et c'est pour ça que j'ai inventé ce personnage de Gaël, joué par Guylaine Mondez, pour incarner cette problématique. Donc voilà comment on passe du roman, comment on invente des personnages qui n'existent pas. C'est-à-dire que dans le roman, il n'avait pas besoin forcément que ce soit incarné par un personnage comme ça. Parce que c'est des pensées, parce que c'est de la littérature, parce que c'est des mots. Mais moi, il faut que je l'incarne avec de chair et de sang, on va dire. Donc voilà, ça, c'est des grosses différences. Et je ne me souviens plus de la fin de votre question. Il y avait plusieurs parties. Mais... Sur la fidélité, non? Par rapport au lecteur? Oui, enfin. Non, mais je crois que j'ai... Est-ce que vous dites moi s'ils ont déjà lu? Ah, et alors, alors si par rapport au lecteur, effectivement, je dois faire une confession, je vous avouer. Moi, j'étais tellement fou de la partie présente que je ne voulais même pas faire la partie 84. Et à l'époque, j'avais un... Parce que ça me faisait penser aux roses sauvages, parce que les 85 millions n'étaient pas encore sortis, mais bon. Voilà, moi, ça faisait appel à des images qui m'intéressaient moins. Et j'avais un film à l'époque, c'était 2017 que j'avais présenté, ça en salle. Et quand on me demandait qu'est-ce que tu vas faire après, je parlais de ton roman. Et là, tout le monde me parlait... Même, et même dans les critiques, quand le livre est sorti, tout le monde parlait de cette partie 84. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a, Olivier, là-dedans? Qu'est-ce qui te... Donc je m'y suis coltiné. Et finalement, c'est des parties que j'adore, et notamment par l'incarnation de Jérémy et Gilles et Julien Saint-Jean, qui m'ont fait totalement et définitivement aimer ces parties. Puis moi, dans l'idée, je rentre les flashbacks dans les films. Donc c'est vrai que j'étais un peu en... Et puis maintenant, réussi le non mais j'imagine pas le film sans. Mais voilà, donc ça j'ai pensé au lecteur effectivement. Je me suis dit t'as pas le droit de ne pas raconter ça. Je pense que j'avais peur de l'incarnation, de trouver les bons comédiens, parce que voilà, et ça c'est vraiment grâce à eux et avec eux que je pense que c'est une partie forte. Bonsoir, deux questions, une sur le casting, pourquoi Guillaume de Tonquédec et Victor Belmondo? Et deuxième question, la piscine que l'on voit, là, est-ce qu'elle est inventée par vous ou elle existe déjà dans le roman? Alors, vous allez acheter le livre après. Alors, non, la piscine, elle existe en vrai, c'est la piscine municipale de Cognac qui a été longtemps ouverte, que je connaissais particulièrement bien, parce que j'y suis allé très très souvent, mais qui est maintenant fermée. C'est un décor assez incroyable. Dans le roman, pour ceux qui l'ont lu, ça va évoquer des choses, c'est un gymnase. Voyez. Et donc, ce qui se passe dans la piscine, dans un gymnase. Voilà. Il a donc remplacé le gymnase du lycée de Barbezieux par la piscine municipale de Cognac. Et c'est vrai, pareil, toujours le passage, moi j'avais fait un gymnase. Oui. Et quand on a fait les premières marches, c'est-à-dire qu'on savait maintenant qu'on allait tourner à Cognac, on visitait tous les gymnases de la ville. Alors, le problème, c'est que ils étaient tous dans le passé l'an dernier, donc voilà, ils n'étaient pas du tout les gymnases. En 1984, on en avait trouvé un. Et d'un coup, je parle avec le responsable de la ville de Cognac, ancien maître nageur, et il nous met à parler de cette piscine fermée. Alors, je dis, bon, tiens, on est allé voir. Et là, c'était tellement cinématographique que, ben, voilà,
J'ai réécrit pour le mettre là-dedans. Et ce qui était marrant, c'est que maintenant, c'est désaffecté. Et d'ailleurs, tous les jeunes de Cognac vont là pour fumer leur pétard, je ne sais pas ce qu'ils font d'autre, etc. Et en ouvrant, donc finalement, c'était, je n'étais pas trop trompé, mais c'était du carrelage, tout était défoncé, et il y avait juste une porte fermée avec un cadenas. Et donc, on demande, ils ne trouvaient pas les clés, on cherchait les clés, ils ouvrent. Et là, il y avait tout le matériel de piscine que vous voyez dans le film qui était entreposé là depuis des années et qu'on a mis et dont on s'est servi pour les corps. Donc voilà, c'est ça aussi les adaptations, c'est faire avec le réel en fait. Philippe, il est dans sa tête quand il écrit et moi, je suis avec la réalité d'un tournage, etc., etc. Donc ça, c'est aussi, ça crée des différences. Il y a une autre question ? C'était sur le casting. Ah oui, c'est... Ah, oui, le casting. Sur le casting. Ah oui, Guillaume de Don. Pourquoi Guillaume de Don Quédec ? Non, ça ne s'est pas fait comme ça. Ça a été long et compliqué. Je dois vous avouer, il y a eu d'autres comédiens, il y a eu des producteurs, enfin voilà, il y a eu le Covid, enfin tout ça. C'était un film qui a failli pas se faire. C'était hein. Très compliqué. Et en fait, Guillaume est arrivé à la fin. Alors qu'il était là au début. Mais... Oui, en fait, c'est la première personne dont on m'a parlé il y a 4 ans, puisqu'il m'a fallu 4 ans pour faire ce film, au moins. Et à l'époque, il était... Mon personnage était un peu plus vieux, je ne sais pas pourquoi j'avais dit. J'ai jamais compris pourquoi tu veux tellement jeune. Parce que je voulais faire Nora Denis, je pense, vraiment. C'est ça. Et j'avais vieilli, Guillaume avait 5 ans de moins, et puis il venait de la comédie, et moi, j'avais envie de faire mon film, et voilà, je savais que ça allait être compliqué de monter un film sur son nom, un film comme ça, d'auteur, parce que voilà, j'ai fait un film avec Ramsey en Amérique du Sud, et qui était un contre-emploi, et je sais que ça avait été compliqué, donc voilà, il y a plein de raisons. Donc après, j'ai eu d'autres comédiens, puis finalement, ça n'allait pas. Et à un moment, on allait tourner, et on n'avait toujours pas trouvé. Et mes producteurs, on avait trouvé le petit Jérémy Gillet, et le blond, et ils l'ont regardé, ils ont dit, voilà comment ça s'est fait, en fait. On avait quand même, vous avez des noms de comédiens, donc il y avait Guillaume dedans. Et ils ont dit, qui ressemble à Jérémy. Voilà comment ça s'est fait. Et quand on m'a dit ça, moi j'y avais réfléchi à la question 4 ans avant. Je savais que c'était un grand comédien qui avait joué au théâtre dans plein de trucs vachement bien. Et donc voilà. Et donc là, ça s'est fait en 2 jours. Je l'ai envoyé, il a lu, il a tout de suite dit oui, parce que j'ai eu la chance que par rapport à ça, il avait envie de faire ça. Et à un moment de sa vie, il avait envie de faire ça. Et alors par contre, du coup, après, on a accentué la ressemblance. Oui, c'est-à-dire qu'on lui a fait une coupe de cheveux, bon, c'est pas celle d'Acta, mais bon, c'était un peu, voilà, on lui a rasé les cheveux sur les côtés, on regardait tous les articles de journaux avec toi, avec la costumière, on a un peu piqué toute la façon dont tu t'habillais. Et puis, un jour, je t'ai appris, je t'ai dit, avec quoi tu signes tes dédicaces. Et même le stylo, donc, tu utilises. Qui est un stylo Muji à 3,50€. À 3,50€. Voilà, donc du coup, on a pisé la ressemblance et j'arrêtais pas de dire à Philippe, non, je ne sais pas trop. Surtout pas, non. J'ai essayé de tourner dans sa chambre aussi à 22 yeux. J'ai dit non. Mais sa maman, il vit toujours. Et ça, je vais parler aussi. Ah oui, pardon, et Belmondo, alors lui, par contre, ça s'est fait très vite. Oui, dès le début. Dès le début. Je ne trouvais pas dans les jeunes comédiens, je ne sais pas, je cherchais à la fois quelqu'un qui soit très moderne, très ancré dans sa sexualité, ça ne va peut-être rien dire, mais je ne voulais pas que ce soit une histoire d'amour entre les deux, même si son personnage, en gros, il ne sait plus trop où il est, il a tout le temps envie d'être avec Victor, mais je voulais que la question de sexualité entre les deux ne soit pas le sujet, comme ce n'est pas le sujet dans ton livre. Donc voilà, donc je trouvais que, et en même temps, donc quelqu'un de très moderne, et en même temps quelqu'un qui a une vraie sensibilité, j'allais dire des vraies fêlures. Et donc je ne sais pas, tout ce qu'on me proposait, ça n'allait pas. Et un jour, on m'a envoyé une photo de Victor, et j'avais mal ouvert, donc je n'avais pas vu le nom. Et il se trouve que Victor, j'avais rencontré 2 ans avant dans un festival, et j'avais parlé avec lui 3 quarts d'heure sans savoir que c'était le petit-fils d'eux. Et ce qui m'avait marqué, c'est que, bon voilà, c'était super bien passé, au bout de 3 quarts d'heure, j'avais compris qui c'était, c'est-à-dire le petit-fils, et là je ne voyais plus que ça, je ne voyais plus que la ressemblance avec son grand-père. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'à la fois il travaillait cet héritage, et à la fois, pour l'avoir connu avant et pour avoir parlé avec lui, il a une vraie spécificité dans ses choix, etc. Et donc on lui a envoyé le scénario, il a beaucoup aimé, mais moi je n'avais jamais vu jouer, puisque les premiers rôles qu'il a eus, les films n'étaient pas encore sortis. Et aux essais, il a été extraordinaire. Donc voilà, donc, pour moi c'était réglé. Très vite, et c'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas, on ne savait pas si on allait faire le film. Il n'a jamais lâché, absolument. Philippe, quand vous avez découvert que j'allais jouer par Victor Belmondo, sur l'écran, Guillaume et
Jérémy, vous êtes dit tout de suite, c'est vous? Alors non, moi, je voulais pas me dire que c'était moi, parce que justement, je voulais avoir cette distance-là par rapport au travail, en me disant, je vais voir un film qui est l'adaptation d'un livre, ce livre est lui-même une réinterprétation de ma propre histoire, donc je me disais, il y a suffisamment de distance vis-à-vis de ça, et en même temps, je me doutais bien que ça allait pas être... Ça allait être quand même un peu déroutant, parce que je voyais bien quand même que c'était proche de moi. Donc en fait, à la première fois que j'ai vu le film, faut dire, c'était, on l'a vu dans une salle de cinéma, une petite salle de cinéma, et on était juste nous. C'est-à-dire, il y avait Olivier, les comédiens et moi. Donc c'était vraiment, on était 6-7 dans la salle. Et bon, évidemment, je me doutais que ça allait quand même peut-être être un peu déroutant. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon critique de cinéma à la fin. C'est-à-dire, je suis allé voir en disant, vraiment, très bonne mise en scène, très bien. Le jeu nuancé, parce qu'il fallait que je prenne une distance par rapport à ça, parce que c'était juste un peu compliqué. Bon. Et puis finalement, après, j'ai revu le film chez moi, seul, et là, j'ai été dévasté au bon sens du terme. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout m'est revenu, il n'y avait plus de distance, il n'y avait plus de filtre, je voyais quelque chose qui me ressemblait beaucoup, qui ressemblait à l'histoire que j'avais vécue. Donc j'étais ramené à cette jeunesse que j'avais racontée dans le livre. Et donc c'était voilà, et puisque je trouvais aussi. Donc, je trouve que tous les comédiens livrent une prestation remarquable, mais il y avait surtout l'idée que tout d'un coup je nous voyais aussi jeunes et heureux, c'est-à-dire que ça existait, c'était enfin là, et voilà, c'était aussi ça le film. Et puis surtout on voyait Thomas, parce que même si Thomas ne ressemble pas complètement à Julien, il y a eu des télas. Et je me disais, au fond, c'est ça, j'avais fait ce livre pour qu'on voit Thomas, et je me disais, avec ce film, on va le voir. Et donc, vous êtes ce soir 200 et quelques, 250 dans cette salle. Vous êtes 250 à avoir vu Thomas ce soir. Je suis très heureux de vous lire. Allez, c'est gratuit. Alors, j'ai deux questions, une pour M. Léon et une pour M. Besson. Alors, la première pour M. Léon. Je voulais savoir pourquoi vous avez fait le choix de montrer davantage la souffrance de Stéphane actuel plutôt que du Stéphane à 17 ans. Et pour M. Besson, la question se sera pourquoi pensez-vous que Thomas n'a pas rejoint Stéphane après avoir quitté sa famille? Ça, c'est vrai. Moi, je vais répondre pour pourquoi j'ai choisi d'axer la souffrance sur le Stéphane actuel que le Stéphane à 17 ans. Bah, Stéphane à 17 ans, d'ailleurs, tu pourrais en parler, mais moi, j'étais dans le roman. Je ne trouve pas qu'il souffre autant que ça à 17 ans. En relisant, moi, j'avais le souvenir de, et d'ailleurs, j'ai choisi de ne pas trop le montrer, même si de ne pas le montrer, on l'avait. J'avais le souvenir d'un mec martyrisé par tout le monde, etc. Puis en relisant le bouquin, je me suis rendu compte que cette image que j'avais était fausse, que ce Stéphane de 17 ans, ou ce Philippe de 17 ans, a toujours une force incroyable, et c'est ça que je montre dans le film, c'est qu'au début on croit que c'est la petite chose, et en fait c'est de ça dont on tombe amoureux Thomas, c'est-à-dire qu'il voit que le Stéphane, il va être écrivain, il est bien en place, et en fait dans le roman, comme vous le disiez, il n'est pas... Et après quand tu m'as parlé de toi à 17 ans, en fait, t'étais un vrai, tu faisais rire tout le monde, tu n'étais pas du tout une petite chose fragile et tu étais très sociale en fait. Donc en fait, j'ai fait ce qui est écrit quelque part. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai lu le roman, j'avais le souvenir parce qu'au début du roman, tu dis que tu es un peu stigmatisé, etc. Mais en fait, dans sa vie de 17 ans, il est. Enfin, ça, tu peux. Ouais. Oui, en tout cas, c'est vrai que ce qui était compliqué à 17 ans, c'était de devoir être. Réduit, contraint à la clandestinité et au silence. C'est-à-dire qu'on a envie de vivre ces histoires d'amour au grand jour, on a envie de dire à tout le monde qu'on est amoureux, et donc d'être condamné au silence, c'était un peu frustrant, et en même temps c'était formidable, parce que du coup notre histoire existait à l'abri des regards, donc ça fabriquait de l'intimité, c'était aussi quelque chose qui nous plaisait. Mais je voyais bien que la souffrance, elle était plutôt du côté de Thomas, c'est-à-dire que lui, il n'arrivait pas à se débrouiller avec ça, avec ce qu'il était, et moi j'y arrivais plutôt bien. Mais il fallait donc qu'on arrive à se retrouver quelque part sur un terrain, on s'est retrouvé sur le terrain des corps au départ, et puis petit à petit, les corps vont se remplacer par du sentiment. C'est-à-dire que c'est ça que ça raconte aussi, c'est que c'est juste des garçons qui baisent ensemble au départ, et puis qui finissent par comprendre qu'ils s'aiment. Et ça change tout, évidemment. Et la deuxième question, c'est pourquoi il n'est pas venu
parce que la vie nous a roulé dessus, parce qu'on est parti ailleurs, parce que moi j'avais une autre vie, lui en avait une autre sans doute, et que c'était trop tard. C'est aussi ça que raconte ce film. C'est les directions qu'on prend à un moment et qui sont les bonnes ou pas les bonnes. Mais il y a un moment où nos vies se jouent. Elles peuvent se jouer très vite. Moi, j'ai l'impression que ma vie s'est jouée très tôt, qu'à un moment, ça a pris une direction et que je ne l'ai plus jamais quittée. Et que, d'ailleurs, Thomas est un de ceux qui m'ont fait prendre cette direction-là. Je pense que je ne suis pas celui que je suis aujourd'hui s'il n'y a pas Thomas quand j'ai 17 ans. Donc, voilà. Et quelque chose s'est joué, une direction s'est prise, et après, c'est impossible. Et c'est aussi la phrase, puisque tu partiras, nous resterons. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que lui, il s'est vu condamné, voué à rester là. Et moi, comme si j'avais droit à l'émancipation et à l'épiphanie, à aller ailleurs, à l'affranchissement. Et donc c'est trop tard, après c'est fini, ça ne peut plus réexister. On a toujours le fantasme que ça puisse réexister, mais ça ne réexiste pas. Parce que c'est un moment, parce que c'est une grâce, et puis que la grâce, ça passe. Et donc voilà, c'est terrible, mais c'est comme ça. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Avant que le micro arrive. Ah, mais c'est bon, on se passe les micros. C'est ça, c'est bien. C'est Covid free. Oui, c'est ça, j'ai tous les mains. On parle beaucoup de romans et autofiction, mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui est vrai dans le roman ? C'est bien essayé. Même moi, je n'ai jamais osé lui demander. Non, c'est vrai. J'ai toujours voulu savoir. Alors, c'est vous dire. Non, mais je ne vais pas répondre à cette question, bien sûr, mais je peux vous répondre de manière générale. C'est-à-dire que, et ça rebondit sur ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est-à-dire que quand j'ai écrit des romans, j'en ai écrit beaucoup, ça avait beau être des histoires fictionnelles, imaginaires, inventées, il y avait déjà beaucoup de moi dans ces choses-là. Mais j'avançais masqué, j'avançais maquillé, j'étais un autre personnage, je lui donnais certains de mes attributs, certains de mes sentiments, mais je pouvais toujours dire que ce n'est pas moi, parce que je ne suis pas ça. Et donc, il y avait déjà une part de ma vérité intime, mais dans un ensemble qui était un ensemble de mensonges, d'inventions. Dans Arrêtez avec les mensonges, la proportion est exactement inversée, d'une certaine manière. C'est-à-dire que je raconte la vérité, et puis il y a ici ou là quelques arrangements avec la vérité ou quelques réinterprétations. Et puis, il y a surtout une chose qui est assez facile à comprendre, c'est que c'est un exercice de mémoire. Alors cette mémoire, elle peut vous jouer des tours, c'est-à-dire vous ne vous souvenez pas forcément de tout. Et puis cette mémoire, surtout, parfois elle est un peu recomposée, et parfois elle est un peu fantasmée, c'est-à-dire c'est le souvenir de ce qui a été ou le souvenir de ce qu'on aurait aimé que ce soit. Donc il y a tout un tas de choses comme ça. Pour autant, c'est très proche de la réalité. Et en tout cas, ce qui est très proche de la réalité, c'est ça, c'est l'histoire d'amour clandestine, et c'est ce moment où ça s'arrête, malgré moi, et il faut apprendre à vivre après, voilà. Et cette question, qui est la question du déterminisme social, du transfuge de classe, qui sont pour moi des questions importantes, qui sont aussi dans le livre, c'est-à-dire quelqu'un qui part et quelqu'un qui reste. Donc voilà, tout ça est vrai. Et la lettre, c'est vrai. C'est d'ailleurs, je profite pour dire, je trouve que dans ce livre, les plus belles phrases sont celles de la lettre et la phrase « puisque tu parles de... » Parce que tu partiras avec nous restaurant, et donc ce ne sont pas les mots. On parle beaucoup des 17 ans de Philippe depuis le début du débat. Est-ce que Olivier. 17 ans d'Olivier en 1936. Est-ce qu'il y a un peu de vos 17 ans aussi dans ce film-là, Olivier ? C'était son anniversaire hier. Oui, lui, c'était il a 85 ans. On ne l'avait jamais fait. Parle-nous de tes 17 ans. Eh bien, dis donc. Alors, on n'est pas la question. Est-ce qu'il y a un peu de vos 17 ans aussi dans ce film ? Ah bah, à ton tour. Non, alors. Disons que moi, j'aurais dû être un Thomas. Je suis un Thomas qui a réussi, en tout cas qui ne s'est pas suicidé. Est-ce qu'il y a une dernière question pour un peu nous quitter sur une note plus joyeuse ? Oui, parce que là, on a un peu plombé l'ambiance, on a trouvé un truc drôle à dire. Merci, bonsoir. Moi, je voudrais savoir si, parce qu'il y a la, c'est un peu une trilogie, il y a la, oui. Certain Paul Darigrand derrière et puis la Dinamarca Montréal. Est-ce qu'on peut s'attendre à une adaptation aussi de ces deux autres livres ? Pas pour l'instant. D'accord. Parce que quand, après avoir lu Arrête avec les mensonges, j'avais très envie d'avoir une suite. Oui. Donc c'est ce que vous m'avez offert avec
On le verra peut-être un jour. Ce bien est toujours en vie. Peut-être que je le tue, ça. Je peux faire ça très bien. Ah oui, je serais content, je pense. Mais non. Guillaume aimerait beaucoup qu'on adapte le troisième. Oui, absolument. Parce que dans le deuxième, ce serait plutôt avec Jérémy. Voilà, et dans le troisième, ça pourrait être lui. Ouais. Non, mais ça sera peut-être un jour. Je ne sais pas pourquoi, je crois que ça se fera, moi. Donc voilà. Mais ça serait marrant. D'accord. Merci. Il y a d'autres romans biographiques comme ça, c'est à trois. Ben là, je suis revenu au roman, vous avez vu, depuis trois livres avec Le dernier enfant, Marie Briançon et Ceci n'est pas un fait divers, je suis revenu au roman, donc voilà. Le prochain s'écrit comme plutôt un texte auto-fictionnel, on revient sur des souvenirs. C'est ce dont tu m'as parlé ou... Non, c'est pas celui-là. Ah bon, d'accord. Est-ce qu'il y en a déjà trois? Oui, on va vous en parler ce soir. Et donc l'idée c'est ça, on revient sur un terrain qui est plutôt auto-fictionnel. Oh, voilà, super. Bah, du coup, on va continuer le dialogue autour de vos livres, justement, Philippe, et vous allez les dédicacer au café juste à côté, pour ceux qui n'ont pas lu Arrête avec tes mensonges. Bah, c'est pas le café dehors. Hein. C'est non, c'est le café du cinéma, hein, le café caché. D'accord. Et puis, du coup, oui, c'est par cette sortie-là, on me dit. En tout cas, le film sort le 22 février, c'est ça qu'il faut rappeler. Que si vous l'avez aimé, vous avez le droit de le dire aux autres. Exactement, que vous êtes les premiers ambassadeurs sur le film, c'est important. Et d'ailleurs, on vous remercie d'être venu le présenter, d'être venu le soutenir aussi. Merci aux distributeurs de nous avoir offert la avant-première. Et puis, à très vite. Merci. Ça vous a plu? Ah, merci. C'est libre, oui, je suis